Salut et bienvenue pour un Let's Play. Non, je déconne, un long play. C'est le deuxième partie du long play. Alors la dernière fois, j'étais arrivé à l'école non sans mal, hein, parce que fou la galère. Avec toutes les bestioles qu'il y a, fou. Les Batman qui se baladent les couilles à l'air, les Kleber tout nus. Oh, ça y est, on va mettre la chanson. Alors, c'est parti, on load. On continue. Alors, ouais, enfin, ça se fait tout seul. C'est moderne. Voilà, Harry Mason qui court tout seul dans. Voilà. Bon, c'est parti pour la partie un peu glauque là. Bon, au moins, on aura pu. Ah, bah tiens, j'ai pas vu. Il y avait ça, la trousse médicale. Bon, c'est bien, on aura pu les Batman à poil et les chiens tout nus là, c'était caché vivant. Ça a changé là. C'est une autre ambiance, hein. Oh, allez, hop, l'école, vous faites visiter, bon, vous rentrez ici, voilà, bah, vous vous présentez ici, à la gardienne, vous dites, ouais, j'ai rendez-vous avec Cheryl Bennett. Et hop, et après, vous allez dans la salle au bout, puis c'est bon. Ouais, c'est parti, on commence l'aventure. Alors, c'était quel bouton? Non, ça c'est pour pas de côté. À gauche, à droite, en bas, en haut, allez. On va se fermer. Bon, bah, c'est bon, je peux rentrer chez moi. Alors bien sûr, comme d'habitude, il vous indique avec, vous voyez, un trait rouge comme ça, généralement, ça veut dire que la porte pourra jamais être ouverte. Hein. Il y a un petit point d'interrogation ici, là. Hop. Je pose des questions. Bon, je vais pas aller là, dehors, ça craint, il fait froid en plus. Il caille. Ah, mais merde. Bon, bah, toutes les portes sont fermées, je peux rentrer chez moi, c'est bon. Bon, bah, j'ai oublié de sortir dehors. Ah. Sur la radio, là. Qu'est-ce que c'est? Alors là, on a la tour de l'horloge, mais il faut une pièce, vous voyez. Ah, qu'est-ce que je veux dire? Une lune argentée. Ah, moi bah, j'en ai une de lune, mais. Voilà. Oh putain! Oh la mocheté! Oui, il y a un bébé. Il y a un bébé qui vient sur moi. C'est plutôt l'inverse, normalement. Oh putain! Oh là là! Oh, oh ça craint! Bon, bah, je vais sortir par là, hein. Très bien. Tiens, mais ils sont partout ces saloperies là. Les Gremlins là. Wow! Un Gremlins invisible. Hé hé! Il se casse la gueule, il est bourré. Et alors, on tient pas l'alcool, mec? Regarde, il a disparu. Bon. Rien d'anormal, on est dans Silent Hill. Hein. Cherchez pas à savoir. Hein. Mais on va faire vraiment impossible d'ouvrir cette porte. Ça, c'est clair, c'est net et précis. Alors, ici, bon, de toute façon, il n'y a rien à récupérer. Il y a le bébé invisible là qui s'est barré. Hein. Je sais pas qui c'est le bébé invisible et. Ouais, y'a, y'a, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ouais, me touche pas. Hein. Je sais pas où t'as mis tes mains. Hein. Voilà. Alors, R2 pour. Ouais. Comparé à la démo, vous voyez, il n'y a plus les poutres. Là, avant, il y avait des poutres, mais là, il n'y en a plus. Rien à l'intérieur. Comment il peut savoir qu'il n'y a rien à l'intérieur? Tu n'y as pas été. Hein. Fais au moins l'effort d'y aller. Hein. Le verrou est fermé. Bon, ça, c'est impossible d'ouvrir. Faut se rappeler que ça fait des années que j'ai pas joué hein, au jeu. Hein. Je crois que je l'ai fini qu'une seule fois. Hein. Peut-être deux. J'ai toujours voulu essayer de faire la fin extraterrestre, mais je sais pas comment faut le faire. Je crois qu'il faut faire des trucs. Bon, bah, si c'est pour que tout soit fermé, hein, autant que je rentre chez moi. Hein. Ah, bah, à votre avis, où est-ce qu'on est là? Vous voyez des portes comme ça, hein, hein, ouais. Et là, comme par hasard, ah, bah, tiens, ah, bah, on peut y aller. Regardez où c'est. Oh, putain. Dégage! Ah, regardez-moi ces griffes. Allez, hop, dans les testicules. Hop, ça, c'est du vrai coup de pied de mal, ça. Alors, bien sûr, si je les fais pas en mode difficile, alors attendez, je vais faire la mise au point parce que là, c'est vrai que c'est un peu. Mais c'est sombre. Voilà. Là, ça sera mieux. On verra mieux parce que sinon, après, c'est trop. L'image est pas terrible. Donc, pourquoi je les fais en mode facile? Parce que déjà, j'aime pas me prendre la tête. J'aime bien balader tranquille, pépère. Voilà, profiter du jeu. Parce que si je vais faire un mode difficile, ça, Silent Hill, oh, laisse tomber. Hein. C'est même pas la peine. Hein. Là, vous avez vu les chauves-souris et les chiens tout nus, là. Les chauves-souris qui se trimballent les couilles à l'air, là, et les Batman, là. Et les clébards à poil, là. Ah, putain, et si je me prends une aile de chauve-souris à poil, là, je te jure, je m'enrhume et je crève. Hein.
Donc c'est pour ça que j'ai préféré le faire en facile. Hein. Moi j'ai des Doliprane. Hein. Ah, comme par hasard, les chiottes, par contre, là, on peut rentrer. Hein. Ah, comme j'avais dit, dans Rentable 2, il n'y avait quasiment pas de chiottes, on en voyait deux. Donc si tu avais envie de chier, bah, fallait tout le cercle qu'il fallait faire pour aller aux chiottes. Et bah là c'est mieux, là, déjà. Ah, vie de recherche. Ouais, donc le mode difficile, c'est même pas la peine. Hein. C'est même pas la peine d'y compter. Hein. Déjà que le jeu est glauque, si je dois me taper en mode difficile. Le truc, la chauve-souris, elle me passe à côté, il me chope un rhume et boum! Chope le Covid et c'est mort, c'est fini, je suis crevé. À peine la chauve-souris me passe à côté, c'est fini, hein, je vous le dis. Hein. Bah, je suis retourné au point de départ. Merde. Bah, ici, toutes les portes sont fermées, mais sauf les chiottes. Donc, au cas où, si j'ai si une chiasse, au moins je sais où aller. Allez, honte! Qu'est-ce qu'on croisait, à votre avis? Oh, ça serait bien que la caméra suive, hein, parce que là, c'est chiant. Hein. Ah. 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 C'est qui là? Oula, j'entends des grognements. Oh là 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 là. C'est le gamin. Bah. Allez, là, pas coupé la burne. T'as bien coupé la burne. Fais les chiens, hein. Foire le bébé. Et maintenant, les bébés, carrément, ils veulent nous tuer. C'est un con, ça. Ah, enfin! Ah, merde! Ah, là, la merde! Dégage! J'ai pas chopé le sida, moi. J'ai pas chopé le sida des bébés monstres. Hein. Oh, c'est mort. Hein. Et voilà, du Red Bull. Un peu de Red Bull au cas où, si je suis un peu en transpiration, là. Il a dû mettre des déodorants parce que des fois il a un transpi le mec. Ça va, il souffle pas alors. Bon, bah, c'est les classes, c'est toutes les mêmes. Hein. Il n'y a rien de spécial. Ouais, c'est une classe somme toute normale. Ouais, pff, une carte des États-Unis, des bébés qui veulent vous tuer. Bon, pff, ça fait normal, hein, quoi. Une école normale, quoi. Bon, là, il n'y a que dalle. Par contre, la caméra, je sais pas, c'est chiant. Encore des chiottes, à votre avis, est-ce qu'on va pouvoir y aller? Ah bah oui! Ça, les chiottes, on peut y aller, hein. Oula! C'est qui? Cheryl? C'est toi? C'est tes règles? Parce que j'ai pas de tampon, hein, j'en ai pas trouvé. Ouais, trouver des tampons, déjà qu'on est dans les années 90 et en plus il n'y a plus de magasin qui est tout est fermé. Oh là là! Oh putain! Oh oh! Il y en a deux en plus. Oh putain, mais vite! Ah! Tue-le! Oh, ça l'a pris. Tiens, tes couilles. Quoi ça? Des munitions. Deux bébés monstres. Ils sont morts. Allez, ça fait une ligne droite. Il y a eu un troisième, j'aurais gagné le morpion. C'est pas le morpion, c'est quoi là? Le truc 4 à la suite, quoi. Et voilà, je déverrouille les portes. Là. Oh putain. Crève. Là où ça sort ces trucs-là, là. Ces espèces de bébés dégueulasses, là. Allez! Il fait semblant d'être mort, lui. Hop! Allez, il bouge encore la tête. Ah, du moment qu'il a ses règles, c'est bon. C'est qu'il est mort. Ouh, oh la vache. En fait, ce que je fais, c'est de l'urbex, hein, en fait. Hein. C'est un peu de l'urbex. Urbex exploration. Il casse à Philippe, là, qui fait de l'urbex exploration, tiens, d'ailleurs. Il y a un ami qui fait de l'urbex là. Wow! On sait pas, c'était un chat. Rien à foutre du chat, c'est pas mon problème. Tout ça pour rien en plus. Je fais tout ça, mais pour rien quoi.
Si vraiment, ouais, c'est du. Ouais, c'est de l'urbex. Bon, vous voyez, il n'y a que dalle, hein. Et on va être sûr parce que tous les coups, il y a peut-être un petit truc qui est caché. Bon, enfin. Bon, le premier être vivant que j'ai rencontré. Bon, le deuxième plutôt. C'est un chat. Oh, mais non, mais c'est pas vrai. Oh. Je t'avais tué tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Et hop. Oh là là. Oh la merde. Voilà, je vais passer par là. Oh là là, mais c'est infecté là. Oh. Prenez la police, merde. Oh putain, il y en a un deuxième. Oh putain. Casse-toi. Bouge pas le cul. Et vise au moins le monstre. Allez, hop, c'est vrai que c'est fini. Bon, il y a des bébés monstres dans le couloir, c'est mort. Hein. Moi, je sors pas d'ici. Hein. Voilà, bah c'est très bien ici, voilà. En fait, c'est très moche. Hein. Je suis sûr que j'ai loupé des trucs. Bon, là, on a une croix là au-dessus, là. On a Jésus-Christ. Fou là là, j'entends gueuler de loin. Hein. Oh. Ouais, bon, je vais pas aller voir ce qu'il fait. Hein. Ah merde. Où est-ce que t'es? Il est proche, hein. On trouve le soin, hop. Il est pas loin, hein. J'entends la radio là. Il doit être caché là. Oh, putain. Ah, c'est un bébé invisible. Les bruits de chien. Ah, cancer bébé là. Bon, c'est bon, il va, ça va. Ils me foutent la paix, c'est le principal. Allez hop, salle suivante. Qu'est-ce qu'on a? C'est la radio qui sonne. Putain, ça commence bien. Oh là là! Regardez-moi cette gueule. Regardez-moi ça. Tiens! Je sais pas s'il avait des couilles, mais maintenant il n'en a plus. Bon, ça c'est fait. Il est décédé. Des suites d'un coup de pied dans les burnes. L'autopsie le dira, hein. Mort d'un coup de pied dans les burnes. Alors. De toute façon, il n'a pas l'air d'avoir la radio. C'est encore des chiottes, ça, à tous les coups. Non? Ah, bah, c'est là où il y a la main. Il me faut l'eau bénite pour pouvoir désabsorber la main, là. My God. Sculpture de main d'un vieillard. Comment il peut savoir que c'est une main d'un vieillard? La main s'est fermée comme pour rien lâcher. Ah ouais, moi j'aurais foutu un coup de marteau et puis voilà. Puis le pire c'est que le mec il a un flingue et tu tires dessus et puis voilà, basta. Oh là, y a rien des gens qui réfléchissent pas. Hein. Ça serait moi, ça ferait longtemps que ça serait, je serais parti. Hein. J'aurais pris le flingue, paf dans la main. Ah, il y a des bugs là. Des bugs. Rien d'utile, ok. Vous n'avez pas de porte, hein? Bon, on va pas passer par là. Merde, je suis arrivé d'où déjà? Regardons le plan. Ok, je suis arrivé de là. Ah, là, je suis pas allé, là, je crois. Oula. Ah, ça met bien l'ambiance, hein. Ta ta ta. Il y a un produit chimique. Ah, ouais, je vais pas confondre avec le Red Bull, hein. Ça se ressemble un peu, hein. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose là, vous voyez, là, on dirait qu'il y a un fusil à pompe là. C'est une arme qui est posée sur le sol. Oh là là, mais c'est pas vrai. Il y avait rien tout à l'heure. Vas-y, essaie de m'attraper là. Viens, 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 c'est un homme. Viens, et hop, je t'ai baisé. Je t'ai baisé.
Il m'a sauté dessus, mais je suis parti avant. Ah, je suis quand même méchant avec ces bébés. Merde, j'ai éteint la lumière. Alors, je crois que si on éteint la lumière, normalement, il peut pas nous voir. Hein. Oh, putain, je suis dans l'orange. Il faut prendre du déo, là, il est en train de transpirer, le mec. Produit chimique, ok, ouais, on va faire ça. Hop, ça va dissoudre à la main, dégueulasse. Même les bébés, ils veulent ma mort. Voilà, on a la médaille d'or. Rien que résidus de main sculptée. Pas de quoi s'inquiéter. Bon, de toute façon, on ne m'inquiète pas pour ça. Hein. Tiens, on va éteindre la lumière. Ouais, bah, alors, du coup, on voit plus rien du tout. Est-ce que les bébés peuvent nous bouffer? Ils nous voient pas. On va tester l'opération. Ah ouais, ils nous voient pas. Oh, si, si, ils nous voient. Ah, oh, si, si. Si, si, ils me voient. Putain. En fait, ça sert à rien, quoi. Oh là là, mais c'est l'enfer. Tiens, je sens la manette qui vibre. Alors, je sais pas si on le verra, attendez. Ah, vous voyez. Ouais, on voit pas beaucoup. Hein. Le mec, il est en PLS. Hein. Allez, Red Bull donne des ailes. Allez, hop! Regardez-moi ça. Regarde, il a viré du vert cramoisi dégueulasse vert herbe. Alors, oulala, il arrive. Mais je suis pas allé au bout là. Là, tu me baiseras pas, je te le dis. Oh putain, il y en a deux maintenant, mais c'est quoi ça? Wow, c'est pire que les gremlins, ils se reproduisent hyper vite. On va aller en haut là, hop. Ah oui, le verrou est fermé. Alors, j'ai pas récupéré une partie, je crois qu'il y en a deux récupérées, il me semble. Alors, où suis pas allé? Alors, il y a la music room là. Là, il y a un point d'interrogation. La statue de la main, c'est fait. J'ai cru qu'il y avait marqué Carglass. Carglass répare, Carglass remplace. Passe tout sauf la vie. Si t'es mort, c'est fini. Hein. Bon, là, c'est fermé. Ah non, c'est ouvert. Donc, comme ça sera indiqué sur la carte. Hein. Hop, parce que regardez, vous voyez, normalement, il doit y avoir une petite flèche là, sur la carte. Hop, ici, là. Attendez, je suis où? Ah, je suis là. Vous voyez, il y a une flèche qui s'est indiquée. Là, regardez, là, il y a une porte bleue ici, là. Une fois qu'il est passé, regardez, magique. Et voilà, je passe. Et vous regardez sur la carte. Et là, bim, c'est Mystique. Mystique West. Bon, alors. Putain, attends, j'ai tellement dans la tête qu'il y a des monstres que j'ai l'impression qu'il y en a qui vont sortir nulle part. Ah, je suis quoi là? Je suis allé ici? Ah, il y a un truc que je suis allé. Oh là là. Alors. Ah, salle de musique. Oh putain, ça y est, je me rappelle. Je crois que je me rappelle. C'est écrit avec du sang. Putain, mais décidément, ils ont jamais de stylo. C'est une manie chez eux d'écrire avec le sang. Bon, vaut mieux écrire avec le sang que avec la merde, hein, en même temps. Alors, le conte des oiseaux sans voix. Ok. D'abord arrive le pélican glouton avide. Ah, c'est peut-être ça, le pélican glouton, là, les petits monstres, moi, non? Avide. D'avoir sa pitance et battant ses ailes blanches. Puis approche un pigeon silencieux qui dépasse le pélican d'autant qu'il ne peut. D'autant qu'il le peut. Oh putain, maintenant il y a un corbeau. Oh, il y a deux animaux, merde. Un corbeau arrive alors volant plus haut que le pigeon pour montrer ce qu'il peut faire. Un cygne effectue un vol plané, cherchant un endroit paisible près d'un autre oiseau. Enfin arrivé à une. Oh putain, mais il y a combien d'espèces d'oiseaux là-dedans? Enfin arrive une corneille. Elle s'arrête rapidement, puis bâille de sommeil, qui va montrer le chemin, qui trouvera la clé, qui conduira la récompense
Argenté. Donc, c'est très gai tout ça. Hein. Ouais, je crois qu'il va falloir jouer du piano, ça y est. Ça me revient. Alors c'est parti, on va jouer du piano. Elle souffre pas car elle ne paraît pas ferme. Attendez. Je comprends pas là. Elle ne s'ouvre pas. Étrange car elle ne paraît pas fermée. Bah, t'as qu'à l'ouvrir. Merde, moi qui voulais faire du piano debout. Peut-être un détail pour vous. Bon. Oh, je me rappelle, ça y est, il va falloir jouer de la musique. Imaginez-vous, mec, il a un flingue, il a qu'à tirer dans la porte, et puis c'est tout, qu'est-ce qui me casse les burnes? Oh putain, non mais c'est pas vrai là, lâche-moi là, oh, je crois ta mère. Hein. Allez, crève. Oh, il se relève. Allez, hop, finis film dans les burnes. Vous voyez, c'est lui qui donne un coup de pied dans les burnes, hein, c'est pas moi. Hein. Voilà, c'est l'enfer. Honnêtement, je sais même pas si je vais pouvoir le finir le jeu parce que c'est vraiment glauque, hein. Bah oui, mais je vais où là? Non, mais là, je peux pas y aller parce que je crois qu'il faut aller dans le monde à l'envers. C'est un peu comme Stranger Things en fait. Il y a deux mondes. Il y a ce monde-là qu'on voyait là, normal, un peu normal, à demi normal quoi. Si on fait pas attention aux monstres, ça fait presque normal. Et après, il y a le monde à l'envers, qui est pas pareil que celui-là, mais en plus dégueulasse. Et il est toujours avec autant de monstres. Hein. On ne voit pas quoi ça change, en fait. Hein. Alors, je vais où, moi, putain? Statue, ça s'est fait. Là, ici, je suis allé. Faut se rappeler que j'y ai pas joué depuis. La dernière fois que j'ai fini, je crois que c'était il y a au moins une quinzaine d'années. Hein. Et encore, j'ai utilisé Solus. Hein. Oh là 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 là. Oh là là. Ouh, on est encerclé. Ah, c'est pire qu'une cité. Ah, mais ils me suivent, quoi. Je suis pire qu'une gonzesse. Non, mais c'est pas possible. Je comprends pas maintenant pourquoi les filles, elles en ont marre des mecs qui les suivent. Quand tu vois que rien que les bestioles n'arrêtent pas de me suivre partout, je commence à avoir plein le cul. Je comprends maintenant pourquoi les filles elles font tout un petit détour pour pouvoir rentrer chez elles. Oh là là, mais c'est pas vrai, merde. Ah non, c'est le prix invisible. C'est bon, je m'en fous. C'est le prix invisible. Ah, tu peux avoir un saloperie invisible, hein. Et ouais, hein, allez, casse-toi. J'appelle les Ghostbusters. Ah, il s'est cassé la gueule. Hein. Regardez-moi ça. Ouais, il a à peine 3-4 ans et il est déjà bourré. Bon, je vais où moi? Ça fait quoi? 23 minutes de vidéo et je sais même pas où je vais. Ah, il y a un hall là. J'ai pas été. Oh, il y a le truc de James Bond là, ici là. Le canon dans James Bond. Ah, bah oui, bien sûr. Oh la vache! Oh putain! Oh, c'est pas vrai, merde! Putain, mais ils reviennent à l'infini. Bon, ça va, il en faut 3 coups de balle, hein. Oh putain! Il y a son frère qui arrive. Son frère ou sa sœur, hein, je sais pas, je vois pas. Je vois pas ses gougouttes là. Tiens. Je sais pas si c'est un frère ou une sœur, hein. Je peux pas voir d'ici, hein. Tellement pixelisé. Alors, je suis où? Ok. Ok. Bon, on va déjà mettre la première médaille. Hein. Oh la vache, mais c'est pas vrai. C'est un fer. Ouais, en plus, il y en a deux là. Il y a deux trucs à trouver. Merde, j'éteins la lumière. Voilà. Ça, moi, c'est fait. Voilà, il se rapproche là, il est à côté de moi là. Oh bah dis donc, putain. Alors heureusement que j'ai des munitions, normalement.
Je dis heureusement que j'ai mis en mode. Je l'ai mis en mode facile, hein, parce que putain. Voilà, je vais aller où moi? Ah, il y a un truc de musique, mais bon. Ouais, c'est fermé. C'est pas ouvert à l'heure? Allez, je suis en bas, oui, d'accord. Là, c'est fermé. Bon, ça sera jamais ouvert. Ah si, ça peut être ouvert. Ah si, ça peut être ouvert, si si. Ah non, c'est quand c'est des striures. Non, oui, d'accord, oui. Ça y est, ça me revient. La caméra super pratique, hein. Donc là, on a visité, il n'y a que dalle. Les gremlins dégueulasses, ils sont pas là. Merde. Voilà, regardez ça. Qu'est-ce que je vais me battre avec ça? Tube de fer long d'un mètre de long. Portée. Attends. Long portée. Longue portée, pardon. Mais l'emploi est limité. Bah oui, mais tu m'étonnes. Faire combien de coups pour le tuer? Alors imaginez-vous le mec. Alors moi je suis pas un speedrunner ni un pro gamer, mais putain, vous imaginez vous battre avec juste ça comme arme? Buter des petites chauves-souris là qui vous bouffent les burnes là? Les chauves-souris qui vous donnent des coups de burne, les chiens qui vous sautent dessus comme si c'était un bal de. Je sais pas, là, on aurait dit qu'ils sont en train de danser là. Ouais, les chiens quand ils sautent, on dirait qu'ils. Waouh! On dirait qu'ils dansent. Alors, je pense qu'il va y avoir des gremlins. Ah, il peut pas, ça, les caméras là, c'est chiant. Oh. Ah, attendez, là, je dois faire quoi là? Putain. Ah, ça tue, ouais, c'est bon. Ça, c'est bon. Le piano, va falloir y aller. Le locker room là qui est ici, il va falloir que j'y aille, mais pour l'instant, j'ai pas la partition. Hop. Là, ici, hop. Parce que je mise mal avec mon doigt. Merde, je sais pas où aller. Laboratoire. Bon, tout ça, c'est fait. Là, il n'y a rien. Les portes sont ouvertes. Bon, là, c'est pas ouvert. Là. Là, c'est pas ouvert parce que, bon, de toute façon, c'est une classe, donc. Là, c'est locker room. Il doit y avoir quelque chose, mais c'est pas maintenant. Je sais que c'est pas maintenant, c'est après. Bon, là, c'est le toit. Mais le toit est fermé. D'ailleurs, j'ai expliqué le plan du toit, tiens. Ouais, rapide. Alors, c'est un long play, mais un long play. Un long play où je connais plus le jeu, hein. Je me rappelle plus du tout du jeu, donc. C'est histoire de se marrer. Hein. Bon. C'est à tout, mais si ça continue comme ça, je vais mourir de vieillesse. Hein. Imaginez les personnages du jeu, ils meurent de vieillesse au bout d'un moment quand t'arrives pas à trouver le jeu, à finir le jeu. Bam, ils meurent de vieillesse. Bon alors. Si je vais là. Ok. Normalement, j'ai tué toutes les bestioles là. Là, c'est la salle de chimie, on est d'accord. Je suis où là? Salle de chimie. Non? Ah non, c'est pas ça. Ah putain, hey, je me rappelle même plus du tout. Peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais. Comment tu veux savoir, tout se ressemble. Ah, il n'y a plus d'une porte là, attendez. Non? Attendez. Non, merde. En fait, non, c'est les bugs graphiques. Putain, mais c'est comment qu'on fait? Là, on a une porte, mais il n'y a rien dedans. Bon, je veux pas mettre quelque chose à l'intérieur. Attendez, regarde bien. Hein, j'ai ramassé que la médaille, mais la médaille, je l'ai posée déjà. Donc ça, c'est bon. Rien d'utile, rien d'utile, rien d'utile, rien d'utile. Ouais. Genre, dans tous les casiers là qu'il y a, il n'y a rien d'utile. Un mytho. C'est une tête de chien là que je vois là.
Ouais, c'est un chien. Je sais pas ce qu'il y a écrit sur la fiche, c'est tellement pixelisé que. Je pense que si je l'aurais mis sur PS3, ça aurait été moins pixelisé. Ah, il y a marqué quoi là? A friend in need. Bah, vu la tête du mec. Il me fait penser à un chanteur, Arsland, je sais pas quoi là. Un rappeur. Oh merde, je tourne en rond. Oh là 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 là, mais lâchez-moi, mais lâchez-moi. Je suis pas votre ami, hein. On se connaît pas. Oh putain, tu es chiant. Le bébé invisible. Vous savez quoi? Allez hop. Oh, à la queue le, à la queue le. Tout le monde aura sa mort, vous inquiétez pas. Allez hop, la burne. C'est comme ça qu'on les tue, un coup de pied dans les burnes. Ah si, t'as raison, coup de pied dans les burnes. Voilà. C'est la musique qui va avec là. Bon, ici c'est bon, hein. Ah, ça vous met bien l'ambiance, hein. Alors dites pas aux commentaires, hein, il y a sans doute des gens qui connaissent mieux le jeu que moi, parce que là, je sais qu'il y a une fin extraterrestre, où Harry Mason se fait enlever par les extraterrestres. J'ai jamais vu la fin, moi je l'ai vu que en vidéo, je crois. J'ai même pas vu... J'aurais dû regarder un let's play avant, un let's play, un long play plutôt. Allez, récupère des missions. Allez, on va ouvrir la porte là ici parce que je l'ai pas fait. Hop. J'aurais dû regarder ouais, le long play du jeu d'un joueur, comme ça au moins ça m'aurait avancé. Ah, petite radio qui s'active. Ce qui signifie qu'il va y avoir un casse-burn. Voilà. Oh, bah il n'y en a pas qu'un. Il y a sa sœur. Bon, ça va, dans l'ensemble. Une chose pose pour les filles. Hop, un bon coup de pied dans les bernes. Hop, allez, vas-y, vas-y. C'est quoi ce coup de pied de pédale? Ah, oula, j'ai pas envie de me salir. Alors. Bon, là, j'ai pas été là. Hop, quand ça porte, ça sera fait. Bon, je tourne un œil quand même. Parce qu'il y avait une partition normalement à récupérer, mais je sais plus. Alors, allez savoir où. Ah. Allez-y. Ils arrivent à vous mettre dans l'ambiance, hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est un éléphant, là c'est des têtes. Oh, regardez ça, c'est quoi ça? Je crois que c'est le plan de Silent Hill. Voilà, voyons voir la map. Putain, mais je tourne en rond moi. Zazie avait chanté justement une chanson, retourne en rond, retourne en rond, bah c'est ça, elle vient de Silent Hill, là. Oh, non, mais j'arrête pas, je sais pas où aller. Alors attendez, je sais même pas où je suis là. Je suis où? Ah, je suis là. Bon, là, le hall, on peut pas y aller, vous voyez, il y a des petites striures, quand vous voyez des petites striures comme ça, là, ici, là, tac-tac-tac, ça veut dire que je pourrais pas rentrer. Ah, mais par contre, j'ai pas évité ça. Je peux peut-être pas y aller ici, mais je peux peut-être y aller de l'autre côté. Voilà, il y a une porte ici. Oh merde! Mais c'est l'enfer votre baraque là. Putain, mais je vais où moi? Si je vais dehors, j'ai les gremlins qui vont casser les burnes. Bah tiens, on va ouvrir l'autre porte, tiens, allez hop. Il y a une porte que j'ai pas ouverte là-bas.
Hop. Bon, j'ai à peu près tué une bonne partie des monstres. Voilà. Là, je les verrouille, là, non? C'est ça. Ça, c'est bon. On va voir si on peut ressortir dehors, tiens. Alors, chérie, elle est peut-être ici, je dois la chercher. Ouais, t'as vraiment envie de te casser les couilles à trouver une meuf, c'est même pas. Si ça se trouve, c'est même pas la tienne. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de trouver une gamine de merde? Chier, cette conne aussi. Que vous allez regarder la merde, là, je suis. Tout se ressemble. Eh ouais, bah elle est où la partition, hein? Bon, la cafouille dehors. Hein. Bon, déjà, je vais nettoyer les secteurs, comme ça au moins. Voilà. Voilà, ça, c'est du coup de pied de mal. Bon coup de pied, là. Ouais, c'est là où on récupère une médaille, normalement. Ouais, c'est sur le toit, je me rappelle, ça y est, ça me revient. Et là, j'en ai déjà mis une. Il y en a une deuxième. Alors, j'ai réussi à récupérer l'argent qui était la plus facile, bien sûr. Bon, moi, on a avancé un petit peu, hein. Merde, je suis tourné en rond. Bon, ça fait déjà 36 minutes. Je vais pas tarder à m'arrêter. Je vais regarder un let's play et après je referai une nouvelle vidéo. Hein. De toute façon, à mon avis, ça va se finir en 20 ou 30 parties là. Peut-être que c'est barré. Hein. Regardons les salles que j'ai pas visitées. Ici c'est fait, ici c'est fait. Bon, il y a des salles que je pourrais jamais rentrer. Il y a un mec qui fait des vidéos sur YouTube où il arrive à rentrer grâce, je sais pas quoi, à un logiciel. Bon, à mon avis, c'est que sur PC. Il peut se rendre invisible, c'est-à-dire nos clippings là. Vous savez, vous pouvez traverser les murs. Du coup, vous pouvez traverser les portes. Du coup, on voit ce qu'il y a à travers. Bon. Là, j'ai ouvert toutes les portes, hein, on est d'accord. Hein. Bon, je vais vous laisser là. On est déjà à 37 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. Hein. On a quand même bien avancé. On a nettoyé toute la baraque, là, toute l'école. Il n'y a plus de saloperies là, qui traînent, là, les gnomes. Bon, là, on est tranquille, on n'a plus les chiens sauteurs et les chauves-souris qui se baladent à poil. Donc ça, c'est bon, ça, c'est fait. Là, de ce côté-là, on est tranquille. Bon, maintenant, il faut que je trouve la deuxième médaille, c'est-à-dire la médaille d'argent. Parce que la première médaille, je l'ai trouvée ici. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est bon, c'est réglé. Du coup, je vais quand même regarder un petit truc, une petite vidéo pour m'avancer un petit peu. Sinon, je vais faire tout en rond. Hein. Ça va être chiant aussi pour vous. Du coup, merci d'avoir regardé ce long play. Bon, j'ai fait comme j'ai pu. Hein. C'est un long play débutant. Hein. Donc, n'en voyez pas si c'est pas terrible. Mais au moins, j'espère que vous avez bien rigolé. C'est le principal parce que c'est le but. Hein, de bien déconner là-dessus. Ah oui, mais non, avant. Oh la vache. Faut pas que j'éteigne la console, hein, sinon je vais devoir m'en taper tout, là. Ah ouais, je suis en train de faire une erreur. On va continuer un petit peu parce que je dois aller sauvegarder. Comme ça, vous allez voir que je commence pas le jeu tant que je filme pas. Oh merde, j'ai la lumière. Ah non, c'est là. Ah, c'est la réception. Ah, attendez, c'est peut-être la réception, attendez. Ah, attendez, on va essayer un truc. On va bien faire ça là. Là. Il raconte sa vie. Ah oui, là, il a marqué quelque chose avec le piano. 12 heures, un lieu de chant et de son. Un médaillon d'argent apparaît quand un langage perdu revit et quand une mélodie est jouée sur un piano. Sur un piano muet. Ça va être pratique, j'ai un piano muet. C'est écrit avec du sang. Des sources de chaleur, des flammes mettent la science, les rois et bêtes affamées.
Je sais ce que c'est que la bête à famille, hein, je la reconnais. Je me rappelle. Ça va être chou d'ailleurs. Ok. Ça c'est fait. Donc attendez, on va quand même vérifier parce que si ça se trouve, j'ai peut-être loupé quelque chose. C'est vrai qu'il y a un goût de chiotte, hein. Non, bon. Bon, je vais sauvegarder comme ça au moins. Je vais regarder un petit peu parce que j'ai comme ça on avance un petit peu. Comme ça, on pourra rigoler ensemble sur le jeu. N'hésitez pas à commenter parce que là, je vous avoue que là, vous me dites hein, s'il y a un truc que j'ai mal fait. Hein. Alors, où est-ce que je suis? Ah non, c'est là. Hein. Je peux sauvegarder, je crois que c'est là. Hein. C'est bizarre, normalement c'était pas indiqué sur la carte. Voilà, putain. Allez, on sauvegarde. Infirmerie, hop, ah oui, c'est une infirmerie. Voilà. Putain, c'est quoi ça? C'est 1h07. Oh putain. J'ai fait 1h07 pour faire tout ça. Oh bah merde. Ah putain, ça fait mal aux fesses, hein. J'ai mis 1h07. Je crois que j'avais mis 7 minutes 24, mais non, je vois qu'il y a le chiffre 1 ici, là. Ah bah merde. Ah, on n'est pas dans la merde, hein. Bon. Ça a duré au moins 20 heures, le truc, hein, avec moi. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Bon, cette petite longue vidéo, hein. C'est le long play, hein, à ma façon, hein. C'est à ma sauce, hein, 100% ma sauce, hein. Donc on va bien se marrer avec ce truc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao! Avec la suite du Let's Play sur Silent Hill. Ben, long play. Sur Silent Hill. Apparemment, ça fait marrer plein de gens. Allez, salut, ciao!